Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à Affinity. Alors, tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté l'invitation sur Discord. Nous sommes déjà nombreux et nous avons déjà eu pas mal d'échanges. Voilà, ça me fait énormément plaisir. J'espère que pour vous aussi, j'ai remarqué qu'il y avait énormément d'échanges. Ça me fait vraiment plaisir. Donc maintenant, revenons ici à notre tuto. Et vous allez voir ici que ça peut vous faire plaisir aussi. Pour cela, nous allons ouvrir ici une plateforme, c'est-à-dire sur Google. Je vous mettrai le lien dans la description. Qui est celle-ci? Ça permet quoi? Mais vous allez voir ici qu'il demande de sélectionner une image. Si on regarde ici, l'avant, l'après, vous voyez. On va regarder une image. Nous allons chercher une image qui est très basse en résolution. Je vais prendre ici, je vais sélectionner une image. Là, je vais prendre celle-ci qui fait, vous voyez, 273 sur 240. Ouais, c'est vraiment une très basse résolution. Donc, je la prends et je l'ouvre. Vous voyez, elle était sélectionnée ici, portrait. Alors, il me demande de quoi? Il me demande x2. Non, je vais la multiplier x4. Donc, sa dimension va être multipliée par 4. Voilà, et je fais Start. Prenons le temps. Voilà, ça on le fait. Mais vous allez voir que plus bas, il y a encore des choses qui peuvent être très intéressantes. Nous allons revenir pour cela après, justement. Voilà, au moment où ça a été fait, vous voyez, vous faites ici Download. Vous voyez, donc il a ici télécharger l'image. Ce que je vais faire un clic droit dessus et je vais enregistrer l'image sous. Donc je garde ici, voilà le nom du fichier, je le garde, vous voyez, c'est marqué x4, je fais enregistrer. Ok, c'est mis dans les téléchargements. Oui, ok, je reprends, j'enlève ceci, je peux enlever cela et je garde ceci pour le moment. Alors, qu'allons-nous faire? D'abord, je vais aller chercher mon image, ouvrir, et mon récent portrait. Celle que nous avions au départ. Voilà. Et si on regarde bien, vous voyez que nous aurons bien une image 273 sur 240, ce que je vous avais dit avant justement la transformation. Et vous voyez que la pixelisation, c'est vraiment de la basse résolution. Hein. C'est une très petite image. Ok. Donc revenons en arrière avec un CTRL 0. Et allons ouvrir maintenant notre autre image. Ouvrir. Et je vais prendre ici celle qui a été transformée x4. Je fais ouvrir. Voilà, elle est ici. Donc, vous voyez qu'elle est bien reprise ici. Niveau x4. Je vais reprendre mon image ici, x1. Je vais faire un CTRL C. Voilà, je vais revenir ici et je vais faire un CTRL V. Vous voyez, automatiquement, elle est beaucoup plus petite. Donc, je vais ici l'agrandir. C'est pour vous montrer justement l'avant-après. Hein. Hop là, viens ici. Voilà. Donc, nous sommes bien ici sur notre image que j'ai agrandie, qui était la basse résolution. Et celle-ci que maintenant nous allons faire avec ici la nouvelle plateforme qui permettait justement d'agrandir une image en augmentant son rendu par rapport à ses pixels. Vous voyez que quand même une nette différence. Vous voyez, avant, après, en ayant maintenant une image beaucoup plus grande. Parce que si on regarde, nous avons une image maintenant de 1092 sur 960. Et celle d'avant, elle était beaucoup plus petite. Qui était ici, 273 sur 240. Elle a été multipliée par 4. Vous voyez la différence? Donc on se dit, ok, je vais prendre cette image maintenant ici, par exemple. Je vais aller dans Fichier. Je vais exporter en JPEG. Et je vais augmenter. Je vais cliquer ici, je vais mettre 2000. Je fais Entrée. De 2000 sur 1700
58. Je garde la qualité. Je fais enregistrer, exporter. Voilà, je vais taper ici 2000. Voilà, enregistrer. Ce que je vais faire maintenant, voilà, celle-ci. Je n'ai plus besoin. Celle-ci, pardon. Je n'ai plus besoin. Donc j'ai bien mon image ici, la première, la deuxième. Je vais aller maintenant chercher, ouvrir, ma 2000, ouvrir. Ah là, elle est là. Je vais prendre celle-ci, je vais faire un CTRL-C, je vais la remettre sur celle de 2000, CTRL-V. Voilà, je prends, j'ouvre. Hop, oula, voilà, je viens sur ma première image qui était la portrait, je fais CTRL-C, c'est simplement pour chaque fois voir la différence de l'une à l'autre, et je fais CTRL-V, ouais, toute petite, hein, vous voyez, je l'agrandis, ça c'est quand je la pousse en 2000, hein. Donc, et c'est ma première image que nous avions au départ. Je l'ai agrandi x 4, c'est devenu celle-ci, et je l'ai poussée en 2000, qui est celle-là. Qu'est-ce que ça? Vous voyez, elle a quand même gardé son rendu de qualité par rapport à celle qui était en 1060 ou 1070, je ne sais plus. Maintenant, en poussant en 2000, ce que je peux encore faire, c'est par exemple en étant ici sur mon calque qui était celle de 2000, qui était ici activé. Je peux aller dans les filtres dynamiques et je peux aller dans passe haut. Voilà, je vais garder le monochrome. Je vais changer le mode. Je vais passer en lumière tamisée et je vais augmenter son rendu. 10. Là, par exemple, je passe à... ouais, un exemple, hein, je vous montre. Hein. 40. Voilà. Je fais accepter. Si je l'enlève, vous voyez, j'ai augmenté vraiment la netteté aussi. Nous sommes passés vraiment... Là, j'ai poussé. Hein, simplement pour vous montrer d'une image qui était au départ, qui était celle-ci, et qui passe à celle-ci. Vous voyez, je pense que ça peut être très, très intéressant pour certaines images qui sont de basse résolution, pouvoir augmenter quand même sa qualité. Alors, que pouvons-nous encore faire? Je cite un exemple. Je vais retourner ici. Donc, j'ai été voir quand même un peu plus bas. Parce qu'il y a d'autres. Vous voyez ici. Ils montent toujours avant, après. Hein, voyez. Alors, si on descend, on voit quelque chose qui est intéressant. Ici, si je fais un clic droit et je fais traduire en français. Ajoutez automatiquement de la couleur à vos photos en noir et blanc. Accès 100% gratuit et illimité. On se dit, tiens, tiens, ouais, c'est très intéressant. Par contre, ça n'est pas marqué ici. Ou c'est marqué gratuit sur d'autres images. Hein. Donc, si je viens ici, je clique. Vous voyez, j'ai d'autres possibilités ici. Il me remontre bien. Vous voyez ici les couleurs. Vous voyez ici, noir et blanc. Je refais de nouveau un clic droit et je traduis en français. Oui, noir et blanc automatiquement est gratuit. Par contre, il ne parle pas de gratuit sur les autres ici. Vous voyez? Vous dites, si je fais coloriser la photo, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ah, je tombe sur ceci, je dis, j'ai pas besoin. Je suis, mais qu'est-ce que je sais? Ben, vous allez tout simplement ici sur Windows. Et vous faites télécharger. Pour gagner, mais là ce sont les licences qui sont payantes, mais ici vous faites simplement cliquer pour télécharger, il va vous mettre dans la fenêtre de téléchargement, vous faites annuler, enfin moi je faut pas annuler, moi je fais annuler, hein, mais vous laissez courir, vous allez l'avoir dans votre téléchargement, donc je vais vous montrer, moi je l'ai mis, il se trouve il se trouve ici, picture
Colorizer, vous voyez ici. Donc, que pouvez-vous faire avec ça? Par exemple, je vais l'ouvrir. C'est colorier une image en noir et blanc, comme je vous ai montré. Donc, voilà. Vous voyez qu'ici, si je clique ici, c'est pour retoucher les images, vous voyez ici. Les images qui sont, par exemple, elle est abîmée. Je fais ici, mais là, il va de nouveau, vous voyez, ici, ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas ça que j'ai besoin, en fait. Donc, je suis bien ici dans colorier, ce que j'avais téléchargé gratuitement. Là, il me demande d'aller remettre une image, de la glisser dessus. Je vais prendre par exemple celle-ci, Saint-Michel. Voilà. Bah, vous allez me dire, elle n'est pas en noir et blanc, mais enfin, voilà, on va voir s'il donne quand même de la couleur par rapport à cela. Je fais Next. Là, vous voyez qu'il peut commencer déjà à donner certains coloriages que vous pouvez travailler. C'est des exemples. Hein. Oui, je pense que ça peut être très utile. Je n'ai pas été chercher trop loin ici par rapport aux images en noir et blanc. C'est simplement pour vous montrer voilà, que ce côté-là est gratuit. Pourquoi ne pas en profiter? Voilà, nous sommes là pour échanger. Donc voilà, je vais revenir maintenant sur notre Affinity. Et ici justement aussi, qui était très intéressant pour améliorer la qualité d'une image en basse résolution. Elle a poussé quand même en 2000 pixels. Et vous voyez qu'elle garde quand même quelque chose de très très convenable. Donc je vous dis un grand merci de votre écoute. Et je vous dis à très vite sur Discord par exemple. Et à très vite pour un nouveau tuto. Gros bisous à vous.